Bonjour chers amis, bonjour chers youtubeurs. Nous voici à nouveau devant vous pour vous annoncer des thèmes aussi attrayants, à savoir comment écrire un web service de façon optimale et optimisée. Voilà à peu près quelque chose à quoi nous allons faire. Vous voyez ici, contrairement à mes premières vidéos, ça c'est une forme mise à jour comment nous allons écrire. Donc tout le long de cette série que nous allons entamer, nous allons vous montrer comment écrire des web services côté serveur, comment créer de manière sûre les points d'entrée, comment créer de manière sûre les points d'entrée, et aussi comment consommer ces web services côté client, donc en quelque sorte du client logé. Vous voyez, côté client, c'est plus soft et plus lisible la consommation. C'est-à-dire, voilà un peu ce que nous ferons tout le long de notre série qui démarrera très bientôt. Et merci pour votre patience, merci pour votre nombreux appels à cette partie qui de jour en jour commence à être important, car tout le monde veut développer des applications multipostes, des applications compatibles avec d'autres langages. Voilà, le temps est venu de comprendre, de connaître les basiques, les fondamentaux et les avancées du web service de type REST. Ok, ciao, bye bye, à tout à l'heure.